Bonjour à toutes et à tous, ici le Caméléon en compagnie de... Ryan, et... le chopper aviateur. On est reparti là, on est chaud bouillant après la dernière partie qu'on vient de faire en même pas 10 minutes. On a mis... Attends. Pour rétablir une vérité, on a fait 3 vidéos. Une seule qui va sur YouTube, qui ne dure que 10 minutes, les autres font 30. C'est du scandale, ça, monsieur, c'est de l'escroquerie. J'ai pas payé pour ça. On a fait 25 minutes pour la première, la deuxième, même pas 15 minutes. Ah oui, c'est vrai, on s'est fait rect. Ah bah oui. On s'est fait rouler dessus. Mais c'est aussi, c'était de ta faute. Comment ça? Non, je déconne. Bon, allez, on commence. Allez. On va tous nous les poutrer, on va tous les désinguer. Qu'est-ce que j'ai cassé? Calme-toi, Zana et Jail. Ah, enfin un allié. Ah bon? Ouais, Gilles. Merde, il montre pas ce con. Mais je t'assure, hein, il y a Gilles. Giles, on le prononce Giles. Ta mère. Zone peinard pour l'une de mes raffineries. Tu pourrais choper le doco sec. Ah oui. Non. C'est vrai, tu fais pas de le bouillon. Allez, vite. Comme on dit dans un certain restaurant, quick. Pardon. Oh là 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 là. Ah, et oh, c'est comme ça qu'on dit vite en anglais, hein, quick. Allez, vite. Sinon, on va tous mûrir. C'est toi qui le dis, oui. Ah bah, c'est normal, tu comptes faire un porc. Eh, hey, on va avoir un DSK là-bas, écoute. Quoi? Bah, un porc. Ah bah non, en fait, on l'a juste à côté. J'ai essayé de faire une mauvaise blague avec DSK. Ça n'a pas marché, ouais. Gilles m'a envoyé une attaque. Ah, c'est quoi? Il m'a bombardé. D'ailleurs, Gilles, c'est lequel? C'est le bleu. Giles, lui... C'est le numéro 4. C'est... Alors, Giles, lui, c'est plutôt... Non, je te demande pas quelle stratégie il applique, mais où il est. Ah! J'en sais rien du tout. Ah, finiste. Ah, va manger des loutres, écoute. Je crois qu'il est en bas. Je crois. Ouais, il a en bas. Ça se voit avec les bombardiers qui me balancent. Ouais. Eh bah, il te fait chier, on dirait. Non. Merde. J'ai oublié d'améliorer... Oh, je vais faire des configurations navales aussi. À la fois anti-aérien et anti-au sol. Ah! Non! 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 Putain! Ah, ça va être chiant avec l'allié, hein? Ça te rappelle pas une petite partie qu'on a fait en plus? Dans Révolution? Non. Parce que dans Révolution, je m'en souviens, hein. Toi tu faisais « faut être bourrin !» Non, bordel. Tu sais, je m'en souviens, pour toi, la stratégie qu'il fallait appliquer, c'était « tu bourrines et ça passe ». Le pire, c'est que c'est vrai, c'était vraiment ta stratégie, hein. Tu voulais forcément attaquer. Alors que la vraie bonne solution, c'était tout simplement se défendre. Mais ouais, c'est ça. Ah bah, oh. Du respect. C'est moi qui t'ai sauvé, hein. C'est moi qui ai fait la mission à ta place. C'est ça. Oh, tu respectes. Allez, vite. Vite! Ok, je balance une off contre la base du nord. Ouest. Ouais, l'allié est bien à côté de moi.
Oh la vache. Meurt. Oh la vache. En plus, je crois qu'il a pas eu le temps de faire d'usine. Oh la vache. Je crois qu'il a même pas eu le temps de faire la moindre usine. Ben, celui du Nord, il en a fait, on dirait. Ah. Bon bah, aïe. Aïe. Putain, il a fait des anti-aériens. Beaucoup trop, même. Je crois que je vais essayer de t'aider contre l'allié, hein. Trop tard. Comment ça? Il a pas fait d'usine et j'ai déjà détruit son VCM. Ah, bravo. Parce que là, on va être un petit peu baisé face aux soviets. Par contre, faut détruire les aéroports. Parce que sinon, c'est laisse tomber. Bah attends deux secondes, je vais faire des sous-marins Yari. Eh ben, tu t'occuperas du soviet, écoute. T'es sérieux, toi? Tu vas pas me laisser tout seul? Mais si, je vais t'aider, c'est pas la question. Ah, merci. Mais c'est juste, tu les utilises pour faire, pour t'occuper du soviet. Tu pourrais achever l'allié quand même. Mais il y a... Ah merde. Il y a juste la caserne à détruire encore. Bah justement. Ah non, la caserne est en plein, au beau milieu de la terre et je suis déjà dessus en fait. Bah vas-y, dépêche. Oh putain. Ok. Ah, ils m'ont défoncé. Ah, c'est peut-être là que j'aurais dû faire ça. Et bim. Ah, j'ai déjà 12. J'en ai déjà 12 strikers là. Que 12? J'en ai produit plein moi depuis tout à l'heure. Ouais, mais j'en ai balancé entre temps, hein. Ouais, moi aussi. D'ailleurs, actuellement, il m'en reste plus que deux. Merde, il y a un sous-marin. Wait. C'est ça, va faire une connerie, toi. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je viens juste de capter. Il a une autre. Il a peut-être fait des usines chez l'allié. Enfin, chez le soviet. Merde. Parce qu'en fait, il y a un aéroport chez le soviet, en tout cas. Bah ça je le sais. Et moi je le sais, bah il y a autre chose. Parce que faut faire gaffe à tout ça. Ah oui, il utilise l'aéroport soviétique. Ah d'accord. Ah bah oui. C'est ça que tu comprenais pas. Bah oui, j'avais pas capté, parce que moi j'ai pas de réseau. Pardon. Il y en a marre quand tu utilises ça. Tu permets que je fasse un peu de blague de temps en temps? Non. Il y a les hélicos des soviets qui sont en train de s'écraser. Et par contre, qui contournent les salauds. Butez-les. Merde. Non. Ça va, j'avais compris que j'ai perdu un collecteur. Putain, mais il a vraiment contourné cet enfoiré. Aïe. Détruisez-moi ça. Dis-moi que ça va détruire cet aérodrome. Parce que sinon... Je t'en ai envoyé un autre aussi. Tir croisé. C'est carrément ça. Oh l'enculé. Ça a pas servi. Mais au moins j'ai... Ouais, un petit peu endommagé une structure. Bon, je vais faire mon taf, hein. Je vais vite détruire le dock, enfin tu sais, l'aéroport quoi, enfin ouais. Le port. Ouais, ouais. Et le VCM, écoute, hein. Avec mes 10 choppers. Chopper. Pardon.
Ah putain, la référence. Bah c'est ce que je fais depuis un moment, y'a que maintenant que tu t'en rends compte. Bon bah, avant qu'ils s'étendent, hein. Allez. Notre allié c'est... Ah, ah, non. Ah! Non, 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 non! Remontez dans les ciels! Fly! Aïe! Ah merde! Qu'est-ce qu'il y a encore? Chasseur MIG. J'avais pas capté qu'il y avait un chasseur MIG. Ah d'accord. Bombe à implosion. Je sais. Bon les mecs, heureux de vous avoir connu. Banzai. Ah. Ouais. Non, t'en fais beaucoup. Mais très sincèrement, occupe-toi vraiment de l'usine et de la du VCM avant de t'occuper d'autres choses. Oh la vache. Ah putain, 2 kills en un. Tenez le coup! Non! Non! Ah, fais chier, je l'ai pas réussi! Ah, j'ai pas réussi, fais chier! Hey! Ah pétain de merde. Aïe 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 aïe. Oh putain. Il est en train de me baiser l'enculé. Tu veux que je t'envoie des strikers? Putain, il a baisé tous mes sous-marins en fait. Tu veux que je t'envoie des strikers? Non, on dirait qu'ils ont arrêté leur activité. Ça, unité attaquée, comment ça? Ah, t'as beaucoup de défense. C'est bon, ces sous-marins ont été explosés. Par contre, la bombe à implosion, c'est notre priorité. Moi, je finis les alliés. Voilà. Comme ça, ces avions me feront moins chier. Ouais. Tout en sachant qu'en plus, il en avait un qui était ultra gradé. Hein. Putain, je joue les tirs au flanc. Et c'est maintenant que tu t'en rends compte. J'adore faire mon connard. Et pas qu'un peu. Bon, je fais un frénésie kamikaze, là, cette fois-ci. Une frénésie. Ça va être utile, j'espère. Ouais, vas-y, Moraine, vas-y. Hey, il n'a plus d'énergie. Ouais, je viens de remarquer. Oh, GG. Ah bah, il est revenu. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a eu cette panne, parce qu'avec ce rideau de fer, il aurait peut-être pu protéger sa bombe. Hein. Plus ou moins. Bon, par contre, trouver un moyen d'envoyer vite des dégâts, parce que la bombe à implosion, comment te dire qu'il est
très bas. Je sais, j'en ai envoyé là. Je vais essayer de contourner certaines zones. Oh bordel! Dépêche-toi. Je vois des hélicos de partout. J'ai vu. Heureusement que ce sont que des hélicos, hein, pas des. Pas autre chose. Ça aurait été genre des anti-aériens, ça t'aurait baisé. Je sais. D'ailleurs, il y a un bullfrog gradé. Je sais, j'ai vu. Ouais! T'aurais dû profiter de ce nombre d'unités pour détruire le chantier naval et le VCM. Bah, le chantier naval, je sais pas s'il va tenir, hein, parce que j'ai envoyé un frénésie. Ouais, mais c'est un niveau 2, pas un niveau 3. Je sais, mais ça. Ah, putain. Pas suffisant. Je sais, pas assez puissant. J'envoyais des choppers finir le travail. Ardeur robotique, ça va m'aider, tiens. Bah, ils sont pas très nombreux, hein. Ah bah toi, t'es vraiment tranquille, hein. T'es vraiment tranquille avec les sous-marins. Ils sont cons. Eh, si j'étais toi, je mettrais au moins une tourelle... une tourelle... Ouais, je vois la tour. Drone tour, ouais. Ouais, un drone tour. Mais non, c'est bon, c'est pas grave. On coupe le courant. Ah la vache. Ce qui m'abuse, c'est qu'à chaque fois que je détruis des unités. Fais gaffe! Y'a le bullfrog! Y'a des bullfrogs partout! J'ai vu! Ah, c'est la fin du monde! Blablabla. Faut vraiment que t'arrêtes la drogue, hein! Y'a une Natacha. Ouais, j'ai vu. J'ai passé à côté de la base alliée, comme ça peut-être qu'en contournant. Wouah! J'avais pas vu! Il ouais. A fait un autre aérodrome! Je viens tout juste de m'en rendre compte. Bim! Natacha neutralisée! Bullfrog, détruisez-le. Merci. Y'en a un autre. Cool. Y'en a un autre. Y'en a deux. Y'en a d'autres. Plein d'autres. Ouais. Bah là, ça prend un peu plus son temps, hein, cette partie. Putain, j'ai vraiment plus rien. Un peu à cause de toi. Quoi? Mais c'est pas vrai. Aïe. Putain. Eh, faut détruire le laboratoire, hein. Sinon on va avoir de sérieux problèmes avec les Natacha. Tu sais très bien que c'est pas la priorité. Si tu veux détruire le labo, très bien, fais ce que tu veux. Mais détruire la caserne et ou le VCM, c'est presque aussi utile. Ouais, mais En plus le chantier naval n'a même pas reset un PV. Ah ouais. Oh, plus de thunes. Ah, une possibilité, ça tient. Je sais pas, je viens de voir Non, je vois le rideau de fer régène des PV. Ah, il s'occupe des priorités, à mon avis. Ouais, bon, bah en tout cas, j'enverrai l'escadron final quand je pourrai. Moi je suis en train de faire des Tengu Mecha parce que là j'en aurais besoin des anti-aériens. Frenzy Kemkaz. Ça rendra le squadron final Omega beaucoup plus efficace. Par contre, ce qui m'inquiète un tout petit peu, enfin tu me diras, on est contre qui? Zana. Ouais. Ouais, ça va, c'est Zana. Donc du coup, Zana elle va pas te faire, tu sais, les vaisseaux Shogun version russe. Les Dreadnought. Dreadnought, c'est ça.
Ouais, là, il y a des chances qu'elle va pas le faire. Ça va, il est suffisamment con pour pas s'en servir. Et je dis pas ça parce que c'est une forme. Hein. Ni avec parce qu'elle est blonde. Hein. Wouah! Wouah! Quoi? Deux Kirov! Tu disais? Bah, ce sont des Kirov, ce ne sont pas des Dreadnoughts. Ouais, mais c'est pratiquement la même chose, mais en version aérienne. C'est pas du tout pareil. Ah pétasse, ça va être pour ma gueule, j'en suis sûr. Pour l'instant, il l'envoie dans sa base. Oh, je sens que je sais quel est son parcours. Hein. Ah, Dreadnought, Bullfrog. Ah putain. Détruit tous les Bullfrogs, c'est pas possible. Ah, escadron final Omega. Omega 3. Pardon. Ah putain, c'est pour ma gueule tout ça. Non. Barrez-vous. Barrez-vous les caribous. Détruit. Détruisez le VCM, détruisez le VCM, détruisez le VCM, détruisez le VCM, détruisez-le. Ah putain, non. J'aurais dû patienter. Et il se barre en plus. Tu l'as envoyé où ton truc? Tout près du rideau de fer. Oh là là. Bravo. Quoi? Comment ça bravo? Pourquoi à côté du rideau de fer? Ça sert à rien. Je pensais toucher en même temps le super réacteur pour faire des dégâts. Ouais. Pas très efficace. Et oui, je parle de toi. Il y a d'autres fers activés. Va falloir faire gaffe. Je sais, mais c'est pas pour l'instant sur moi. Qui te dit que ça sera sur toi? Enfin, je dis ça, mais c'est pas... Il y a beaucoup de sous-marins tout près de moi, hein. Ouais, non, mais j'allais dire... Bon, c'est pas comme si à chaque fois qu'il y avait une attaque, c'était forcément pour ta gueule, mais bon... Bon bah au moins la bonne nouvelle pour moi c'est que ça pex. Et merde, ils ont pété une de mes tourelles. Drone de protection. Oh t'as putain. Ah j'ai trouvé le VCM. Il est où? Il est tout près de ma base. Il est tout neuf. T'es sûr que c'en est pas un autre? Non. Ah oui, tu me diras, j'ai pas eu le temps de lui faire beaucoup de dégâts. Putain. Et le pire, c'est que comme il se déplaçait, il a pas fait d'usine. Ah putain. Il a pas fait d'usine. Ah putain, il a tout baisé. T'en fais pas, il y en a 6 qui arrivent juste derrière. Oh, oh putain. Est-ce qu'il m'a balancé comme hélico? Ah, oh, bien joué. Détruit. Wrecked by ta mère. Bon, pour moi, la priorité, c'est autre chose. Pour moi, la priorité, c'est le labo. Dis-toi qu'il a plus de batterie. En plus, il a plus de batterie. Je l'ai déjà tout détruit. Oh, GG. Oh putain, il y a des Kirov. Mais destruction de labo. Oh, hey. Bah, fais péter le super réacteur. On sera sûr au moins. Mais par contre, faut faire gaffe, il a peut-être. Il a peut-être quoi? Des aéroports à l'arrière. Parce que là, faut vraiment vérifier s'il a pas fait d'autres aéroports.
Parce que la caserne, c'est bien mignon, mais bon. Il a quoi comme unité navale? Enfin, amphibie. Mis à part les ours et les ingénieurs. Bullfrog, encore. Hein? Des bullfrogs? Bah tiens, il y en a qui arrivent. Non, mais je veux dire dans la caserne, parce que les bullfrogs, ils peuvent plus en produire. Là, je parle de ce qu'il peut produire. J'en sais rien du tout. Et parle plus proche de ton micro, on t'entend pas du tout. Bah, oui, bon, ça va. Ah, putain! Tu te fais rect? Il y a des hélicos partout. Oh. Quoi? Je sais à quoi il a utilisé son rideau de fer. Ah bon? Ouais. Putain. Ah oui, il vient juste de l'utiliser, j'avais pas vu. Ah, c'est bon. Le courant. Courant coupé. Oh, merci. Alors. Putain, je suis ruiné. J'ai plus de thunes. Moi, j'en ai 9 thunes. Ah, pour ma conquête du monde. Ah, j'en ai plus qu'un. Hein? J'ai plus qu'un thune de thunes. Putain. Maintenant, j'en ai 2. Allez, toujours vérifier s'il peut pas produire des trucs. Ah bah, je crois que c'est tranquille, hein. Enfin, presque. Tu pourrais au moins détruire les bullfrogs pour que j'envoie les chasseurs. Bah, c'est un peu baisé, ça. Ils sont plus que 2, on dirait. Encore envoyé à l'escadron final. Ouais, j'ai vu. Ouais, ils sont plus que 2 en plus. Et il a plus d'usine. On en est à combien de minutes? Bah, ça va, on est à 27 minutes. Ah, ça va, ça a été raisonnable. Mais c'est bien parce que c'est de ta faute. Hein. Comment ça, ma faute? Bah, c'est normal, tu t'es défendu. Quel enculé, je te jure. Pourquoi ne pas attaquer directement? Ah, j'envoie des choppers pour détruire le bullfrog que je vois là. Ouais, dépêche-toi. Je crois que les Kirov vont pas tarder à essayer de m'attaquer, moi. Comment ça se fait qu'il a retrouvé de la batterie? Ah non, il a plus de batterie, oui. Non, il a plus de batterie, hein. Il m'a fait peur. De toute façon, il avait aucun moyen de produire, donc... Meurtre, 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 meurtre. Il est mort. Le deuxième. Je fais déplacer mes chasseurs. Meurtre, 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 meurtre. Il est mort. Bon bah... Maintenant, il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Ouais. C'est ce que je suis en train de faire. Il y a des stingrays sur une île. Juste à côté de ma base. Comment ils sont arrivés là? Bah, avec les Twin Blade. Ah bah oui. Mais il est con. Enfin, elle est conne. Enfin... Ouais, on a compris. C'est complètement stupide. Ouais. Ça sert quand tu mets une Natasha. Comme ça, tu la mets en embuscade. Mais pour les stingrays, mais c'est inutile. Enfin si, tu peux aussi les mettre en embuscade, mais bon... Un V4, je veux bien. Mais des stingrays. Destruction de ceci, de cela, de machin. La vache. Toujours faire attention, bien envoyer les unités à loin dès que... C'est bon. Ok, butez-moi ce Kirov. Tu protèges mes unités aériennes d'un Kirov. Quoi? Ça fait des kills. Ouais, c'est vrai.
Eh, on n'a pas encore utilisé d'armes spéciales ou ultimes. Et c'est la deuxième partie auquel on fait ça, hein. Ouais. Longue vie à la rapidité japonaise. Oh, ce serait pas mal aussi un robot shogun. Bourreau shogun, pardon. Ouais, les bourreaux. Ah, la destruction incarnée. Et qui a dit tu? Bon, bah, plus qu'à aller chercher toutes les tous les bâtiments, quoi. Ah, il y en a un là. Eh, me laisse-les un peu. Laisse-en un petit peu pour moi. Non! Je ne te respecte pas. Ah. En plus, j'ai deux héros. Bah, moi aussi, j'ai deux héros. De zéro héros. Pardon. Encore une référence. Non, mais moi, les références, je suis une fontaine de références. Même si je suis un putain d'inculte, mais là, c'est pas la question. Ouais, il avait encore des trucs d'énergie. Bon, bah, va défoncer ça. Bonjour les bâtiments à côté de mon frère. Ah bah tiens, j'ai du soutien. Ouah, j'ai vu des... J'avais deux choppers qui ont fait du moonwalk. J'ai vu aussi. Ouah, ils ont fait du moonwalk. Alors eux, ils sont inspirés, hein. Et c'est gagné. Ah, oh. Oh, c'est déjà fini. Oh. Attends, tu préfères que ça continue, hein. Trop brutal, si tu veux, hein. Alors, je suis désolé, va falloir refaire toute ta phrase parce qu'on a absolument rien entendu. Peut-être pour toi, mais moi, je sais. Mais bon, bref. Alors, voyons voir. Oh, la vache. Et tu te rends compte qu'on t'a pas du tout entendu? On t'entend plus là, hein. Non mais attends, regarde les unités tuées. Je ne t'entends pas. Les unités tuées. Ah là, là on t'entend. Regarde les unités tuées. 104, 27, 118, 42. Je dis bravo à Zana. Ah là qu'il est. Bon d'accord, entre nous deux t'as été le plus destructeur. Ah bah c'est sûr, hein. Surtout que t'as perdu moins d'unités que moi. Oh la vache, les structures. Moi, j'en ai perdu 88, j'en ai tué 27, t'en as perdu 79, t'en as tué 104. Ah bah la rentabilité, mon gars. Structure détruite, 3 de ton côté, 50 du mien. Ouais. Moi, je suis le destructeur des bases. Moi, je suis le défenseur des bases. Bah moi, je dis c'est la base. Moi aussi, c'est la base. Oh mon dieu, les jeux de mots pourris. Structure créée, 24 contre 10. Ah bah ouais, moi... 10 oui. Je n'ai créé que 10 structures. Bon, tu me diras, Giles, il a fait moins, il en a fait que 6. Mais aussi, je les recte avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Ouais, mais t'en as perdu 2 aussi, hein. Ah, que 2, hein. Ouais, c'est pas mal. Même... What? Jax, il en a construit 6, il en a perdu 8. Peut-être pour les structures en production en attente. Possible. Moi, j'en sais rien. Enfin, bref, ce sera tout pour aujourd'hui, pour nous. Ah bah non, attends, ça peut pas être possible, puisque Jax, c'est un allié. Les productions en cours, ça risque pas d'être détruit. Seulement quand... Non plus. Oh, laisse tomber. Bref, donc sur ce, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ah, je sais pourquoi. Les prospecteurs. Quand ils sont déployés. Ah, oui, c'est logique. Ouais, mais il l'a pas fait. Je m'en souviens, il en a pas fait un seul. Ah, t'en as peut-être pas vu. Ah, c'est peut-être parce que tu les as rectes. Non, enfoiré. Parce que tu les as sans doute pas vus hors de ta zone de combat. Bref. Donc sur ce, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, c'était Caméléon avec. Bye. Allez, ciao, bye.